Coucou tout le monde, c'est le jeudi de cette semaine. Nous voici avec le dernier thème ou le dernier mot de la semaine, la semaine des couleurs, qui est sur les indigos, un sujet qui me passionne. Alors les indigos ont été découverts dans les années 70. Alors on parle d'enfants indigos ou d'adultes indigos. Et c'était en relation avec la couleur de l'aura de certaines personnes qui ont cette couleur bleue foncé violet. Donc les enfants ou les personnes ou gifted soul. Et qui sont apparus dans les années 70. Donc ils sont assez créatifs, hypersensibles, hautement créatifs. Leur vision du monde est différente de la norme. Alors, certains disent que ce sont de vieilles âmes, moi je le crois, exigeants pour soi-même et donc pour les autres. Ils n'aiment pas l'autorité. Et que vous dire d'autre avec tout ce que j'ai noté? Je peux vous parler de... Alors, on dit qu'ils ont une intuition développée, une perception également beaucoup plus fine, une conscience beaucoup plus éclairée, une sagesse. Ils sont ici pour diriger, en fait, pour guider vers ce qui est juste. Donc, c'est pour cela qu'ils ne supportent pas l'injustice. Des passionnés et intuitifs, l'intégrité est une de leurs grandes qualités. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas les mensonges. Certains sont appelés les travailleurs de lumière. Donc, ils sont ici pour amener l'amour et la gratitude sur Terre, l'éveil, un éveil profond qui peut venir tôt ou tard dans la vie, selon les personnes, puisqu'on parle d'indigo pour les enfants ou pour les adultes, et ils ont un grand sens du dévouement. Alors voilà ce que je peux dire, ils sont pour la paix universelle. Et je vous mettrai en commentaire un lien et vous pourrez faire de plus grandes recherches si le sujet vous plaît. Merci!